Ah vraiment, c'est tellement beau. Quand tu regardes Nico jouer en POV, c'est une dinguerie. Hein. Dans ce round là, c'est une masterclass. Oh le poison. Oh je l'ai dit, je le savais que ce round c'était une masterclass. Mais à ce point là, c'est une dinguerie. J'adore les skins Counter-Strike. Et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MALEXCSGO sur Lcase. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement. Et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça c'est risqué. Donc fais très attention. Merci à Lcase pour cette intro sponsor qui soutient mon travail. Code MALEXCSGO les amis. Progresser, tu fais ça. Voilà, tu regardes comment ça joue. Donc là, on peut voir par exemple que Nico, il joue solo. Ah, il a un petit bait du 2. Je sais pas c'est qui le 2, mais il a un petit bait au niveau du spawn. Il y a un mec à la visu. Et il va décaler sur son contact. Bon, c'est du B. Comment il rota? Par où il rota? Donc là, il va avoir un contact à une 40. Voilà, donc là, il sait qu'il n'y a rien. Il rota direct. Ça déclenche en A. Et là, c'est la bagarre. On essaie de voler sur la droite. Mettre un boost. La bombe est amorcée. On vide la smoke. Il attend le mec BP. Voilà, Nico Baiter, comme d'hab. Prendre des risques, il fait pas, Nico. Ah, il a vu. Et hop, one tap. Oh là là, ce qu'il met. Ça aussi, c'est face hit. Ah ouais, putain, c'est face hit, je viens de voir. Donc là, comme vous pouvez voir, vous voyez son move. Il met la flash ici. Il prend, il attend au son. Il prépare sa flash, il n'y a rien. Il a demandé la flash à quelqu'un. Il clear la zone. Il va certainement renouveler la smoke. Aller au boost, bah voilà. Il renouvelle la smoke, il va au boost. Voilà, par exemple là, ça peut vous apprendre à défendre le mid. Là, il attend et il va prendre son timing sur la gauche. Voilà, il attend son kill. Il se précipite pas sur le B parce qu'il voit que tout le monde fait le taf. Donc il n'est pas là à courir sur le B pour dire « Ah, je veux des kills !» Il garde le mec qui veut lurker par exemple, qui veut flank par le par la cave. Il n'aura pas de contact, merci, au revoir. Ah, donc là, il bloque le mid. Il lâche. Et il garde la visu. Une petite flash pour faire sauter la ligne. On clear le mid encore une fois et on va sur le boost. Il a entendu. Il a entendu le flash pick instantanément. Il s'est retourné. Donc là pareil, hein. Soyez aware du son. Écoutez bien la flash qui va popper derrière lui. Maintenant, boum. Vous avez entendu? C'est ça en fait. Ça pareil, quand vous regardez les POV, faut vraiment que vous compreniez les réactions. Et que c'est des mecs qui sont... au tac au tac. Au tac au tac. Genre à la microseconde, il faut que le move il soit fait. Donc là en flash, on vide le contact. Il y a quand même une flash top mid, une flash lower mid. Il monte sur la caisse. Là, il y a la flash qui va pop, il se retourne instant. Moins un. Il a l'intention de se fight. Il lui reste 8 balles. Il continue. Voilà, il reload pas. Il est ligné de shot. Alors, il reste 6 balles, il reload pas. Alors, maintenant il sait que son pote a la visu. Regardez là sur le radar. Il l'a vu déjà, mais il voit qu'il a la visu. Là il la reload dès qu'il est en sécurité. Donc si vous voulez progresser, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Et là il renouvelle la smoke ou pas. Donc là il y va en slow, ça fait une fouini. Le terreau il sait qu'il l'a poké. Donc peut-être qu'il veut lui courir dessus. On m'a dit il est low, il est low, il est low. Et lui il aurait eu un kill facile. Et il veut pas crater sa smoke. Pourquoi? C'est 5v1. Armée par armée, écho par écho. C'est 5v1. Autant garder son stuff. Pas économiser 300$, c'est important. Et jouer le duel. Et il y va à contre-temps, il fait son kill. Donc c'est du jeu intelligent. Comme vous pouvez voir, il va encore contrôler le mid. Donc toujours la mollo ici au niveau du pilier. Maintenant il flash. Il lâche au cas où ça crosse. Il sait que ça crosse pas parce que son pote était devant lui. Regardez là, le 4 était devant lui. Et il a l'intention après d'aller le chercher. Il prend le boost, il vide le contact. Voilà, il est toujours en slow. Il lui renouvelle la smoke. Donc là maintenant ils sont 3v5, donc il sait que bon c'est un save. Il garde son cul parce qu'il se dit il y a des mecs qui peuvent lurker.
Et il a un contact maintenant. Ah, il a vu. Donc il attend pour avoir son timing. Bombe plantée, il check par la gauche. Il sait qu'il y a un mec à droite. Il va le jouer plus tard. Moins un. Et là, boum, il attend son timing. Voilà. Regardez comment il joue son duel. Ce qu'il veut dans son duel, c'est tout le temps de l'avoir à contre-temps. Il veut jamais le face-to-face. Regardez. Bon, là, il veut jouer sneaky, c'est normal. Voilà, là, il fait son kill. Et là, regardez. Boum. Il se met en sécurité ici. Là, il se dit, ok, 3, 2, 1, maintenant. Il l'a pas vu. Ok, je me remets en sécurité. Il reste pas en plein milieu pour forcer le duel. Il veut vraiment avoir la décale pour pouvoir se remettre à l'abri. Ça aussi, c'est un truc que je vois des noobs jamais faire. Vous, vous êtes en plein milieu, kickette à l'air, venez, je joue des duels. Même des mecs comme Nico qui ont des AIM de ouf, ce que je vous expliquais, les gens forts savent qu'ils peuvent se faire deux balles dans tous les cas. Donc il se remet à l'abri et là, il a rejoué son duel. Il sait qu'il n'y a rien. Maintenant, il va aller chercher un autre duel, tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, ils ont transformé le 4v2 en 2v2. Donc, pression, il est HE. Il n'a pas forcément l'intention de jouer le round, mais il y va petit à petit. Il le spawn, il n'y a rien, boum, c'est un save. Toujours la molo au pilier, HE clic droit pour pouvoir blast la smoke et prendre le duel en contre-temps. Ah non, il HE dedans cette fois. Flash. Regardez, le 4, il est là, ok. Dès que le 4 va se taper, celui, il est radar focus, là. Dès que le 4 va se taper, ou peut-être il est en duo avec lui, il y a de la com ou quoi, mais il est prêt à réagir, en fait. Nico, c'est jamais une première ligne, c'est toujours une deuxième, voire trois, voire même une quatrième ligne. Mais il est toujours dans l'intention d'aller faire le refrag. Et vous voyez bien que c'est un excellent support avec son stuff. Ce que je vois pas forcément de Spinks. Oui, c'est un petit tir à l'arc dans son œil, mais bon, ça fait plaisir un peu. Donc là, il attend. Il flash, et là, boum, on y va maintenant en contre-temps. Eux, ils se font contre-flash. Ça aussi, c'est un truc que je vous ai déjà expliqué. Même quand vous êtes blanc, gardez la zone. Donc il se fait contre-flash, mais il garde sa ligne hauteur. Il sait que ça va se dissiper. Il pourra avoir peut-être le temps de réaction. Même s'il a une demi-seconde de retard sur le duel, vaut mieux ne pas reculer. Parce que tu commites dans la zone, parce que son pote est en train de se taper. Ah, il lui garde le cul, vous voyez. On l'a vu tout à l'heure en B, et là maintenant il fait la même chose en middle. Son pote est en train de faire le taf au niveau du mid. Il n'a pas l'intention de l'aider sur le mid. Lui, il a l'intention d'avoir le mec qui se croit malin, le mec qui veut lurker, le mec qui veut contre-temps le duel, le mec qui veut arriver dans le dos, le mec qui bait. Et vous voyez bien que sur la phase middle... Son pote s'occupe de la droite, lui il s'occupe toujours de la gauche. Et il garde sa gauche, tout le temps. Et t'inquiète, sa gauche. Là il fight, il meurt. Et donc il va dire à son pote, voilà maintenant c'est en haut. Et ouais, mais Nico, pas Nico, même lui il peut se prendre des deux balles. Et vous voyez bien qu'il a pris deux balles. Donc là, mollo au pilier. HE parce que là maintenant il a le premier spawn. On flash ready au son. Là il écoute, là il est très 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 concentré. Il n'y a rien, arme en main, et il garde la hauteur. Là il entend énormément de stuff, il vient de demander la flash à son pote, je pense le 4, ouais, à mon avis son Joku. Parce qu'il a la flash pop, et là maintenant il dit, ouais, voilà, regardez, c'est sûr. Regardez. Voilà. Là la flash a popé, donc elle vient d'où cette flash? Elle vient du A ou elle vient du middle? Je sais pas s'il y avait même pas du 2 là. Vous voyez le 2 là qui flash par-dessus ici là. Dans les airs. Ouais, c'est le 2. C'est le 2 qui flash. Je suis sûr que c'est le 2 qui flash. Ouais, c'est sûr, il est en pre-made là. Il est en pre-made. Parce que le 4, je vois pas le mec le 4 flasher. Je vois pas de flash parti devant lui. Et à mon avis, elle est au-dessus dans les airs là. Donc elle vient du A là. Elle vient par-dessus là, comme ça. Donc là, il entendait bien. Il est pose-écoute. Ça s'appelle pose-écoute. Il entend, il dit flash, prêt à flasher le mid, prêt à flasher le mid. Boum, là il lui flash. Là, la flash part. Ouais, je l'entends là, la flash part. Boum. Moins un. Il ouvre un peu sa ligne, il va se cacher. Voilà, il va se cacher. Il n'a pas l'intention de rejouer son duel. Nico, Robs, vous verrez, ils font tout ça.
Parce qu'ils ont tellement naturellement l'habitude d'avoir du firepower en face qu'un Riven ça va trop vite. Donc lui ce qu'il veut c'est encore jouer sur sa flash. Donc là contre flash. Et là maintenant on ouvre la ligne, on fait moins 2 avec une petite brochette. Avec un mec low HP, on a fait le moins 3. 30 HP, 3v2. Bombe à terre dans le mid ou pas, on s'en bat les couilles. On est en train de se repositionner pour jouer un duel plus avantagé. Bah quoi comme duel? Un duel headshot, il a 30 HP. Il veut forcer le mec en face à lui mettre un headshot pour le tuer. Il reste pas dans une ligne où il sera ouvert. Body hit, où il prend 2 balles et il est mort. Là, un noob, il spray Nico, il vale 2 balles. Alors que là, il est en pause headshot parce qu'il sait qu'il est mid HP. Donc il veut forcer son adversaire à lui mettre un one tap. Et en gros, ça redistribue les chances de duel de 50-50 en gros. Voilà, et il joue juste l'angle headshot. Il garde le cul. Voilà, il aura une pause comme ça. Ah, il l'a vu et il joue pas le duel. Voilà, il est là-bas les gars. Merci, au revoir. Je me repositionne, j'ai peut-être même une smoke. Regardez, il a peut-être même une smoke. Il dit à tout le monde de venir maintenant. Voilà, là c'est en train de se redisposer. Dans son cul, il se fait resserrer le jaune là. Regardez, il se fait resserrer à gogo. Voilà, il a attendu le contre-temps. Là peut-être il s'est dit, ok, peut-être il est en train de slow. Boum, je mets un coup d'épaule. Il a coup d'épaule, il n'y a rien. Donc là, il attend. Boum. Voilà, et là, il est juste en coup d'épaule, il attend. Et il prend une ligne ouverte, il se fait péter la gueule. Depuis tout à l'heure, il le joue correctement. Et là, c'est une erreur. Là, c'est une erreur de Nico d'aller jouer le duel. Là, il se dit, vas-y, je prends une ligne cassée. Tu te fais décaler accroupi. Là il crie, hein. Mais regarde-moi ce noob qui décale comme ça. Il a raison. Mais il a tort parce que c'est un choix de perdre une arme en 4v2 comme ça. 4v1, pardon. Bah, tu perds de l'argent. Et maximiser à haut niveau, c'est important aussi. Donc là, il perd malheureusement 3K, 4K, 5K, facile. Il a une smoke, il a un kit, il a un Kevlar, une M4. C'est quand même 5K de perdu. Là il mollo un peu plus profond. Là il a décidé de mollo un peu plus profond et d'aller fighter directement. Smoke. Il a bien la ligne hauteur. Là prêt à débouler derrière quand il a vu que la smoke a été blast. Moins 2, il a fait son taf. Le but c'était de faire des dégâts sur la blast. Il le prend. Là il doit dropper des MP9 et tout. Regardez le round crucial qu'il perd, enfin qu'il gagne, mais où il fait tomber son arme. Ça lui a coûté de l'argent. Derrière, donc ils ont pas trop d'argent. Là il est en retard. Il est en retard sur le mid. Plus ils ont pas de stuff parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent pour défendre le mid. Donc là on voit son intention de pas jouer le mid par exemple. Là il veut wall au timing qui s'accroche. Voilà, intelligent. Et là t'es obligé de jouer passif le mid. Et on va voir comment il réagit quand il a pas le mid maintenant. Depuis tout à l'heure, on l'a vu en 7 rounds avoir systématiquement de l'utilitaire pour défendre le mid. Donc là, c'est bien. Donc là, il demande à son pote de blast. Il a des lignes de shot parce qu'il est confiant dans son IM. Malheureusement, il se fait punir instantanément par un AWAP. Mais il y avait de l'idée en fait. Là, c'est de l'écho. Donc il dit ouais, venez, on sac en 1. Et franchement, moi, j'ai pas des face-hit comme ça. Hein. Soit bien clair. Hein. Voilà, on redirige sur le donut. On veut taper mid, à chaque fois il y a vraiment des duels mid depuis tout à l'heure. Et là l'intention d'aller revenge. Il laisse toujours des gens passer devant lui mais il a toujours l'intention d'aller revenge. Il va casser la ligne. Ouais, il se fait tomber. Les gens jouent avec un pro ça change, ouais, je pense aussi. Ouais. Donc là mollo profond parce qu'il y a son pote derrière qui mollo contact, ça fait un tapis mollo, on appelle ça un tapis de mollo. Là il est aux écoutes, okay. Vu qu'il a eu du contre-stuff il préfère bloquer et regardez même blanc, il garde la ligne et regardez sa mollo profonde, elle a eu pas mal de dégâts. Maintenant il smoke pour contester et il est blanc, il reste dans les zones. Là il y a fight au niveau du A, hop il fait un, il a voit la blast de la smoke. Avec ses 12 balles, il reload jamais. Il sait qu'il y a un mec en B, il va aller le jouer. Ramassage de la K et on y va. Ouh là là, là il se retrouve avec l'SP, il est pas bien. Mais vu qu'il a commit sur le duel, il avance quand même. Vous voyez, là son pote vide la gauche, lui il lui garde la droite.
quand même. Toujours à prendre en compte quand même, regardez. Son pote vide la gauche, il lui garde la droite. Maintenant que tout est clear, il prend le cul, il prend la blast de la smoke. Voilà, et on jouera le retail en A tranquillement. Là il sait qu'il n'y a pas grand chose, que le A est entre guillemets ouvert maintenant. Il entend en plus la mollo qui pop. Il prend la ligne ici et il dit aux autres, vas-y, j'ai votre ligne les gars, il n'y a rien d'honnête. Vous pouvez y aller. Il passera jamais devant, hein. Mais le support il le fait bien en tout cas. La blast de smoke. Toujours petite flash par dessus. Vide le contact, y'a rien à droite. Caisse magique, contact, arbre. Alors là il referme tout de suite sa ligne au cas où il y a un deuxième là-bas, mais sauf que ça swing sur la droite, il est mort. Voilà, il est pris dans un crossfire, tu peux être Nico, tu peux être Ziwu, tu te feras défoncer. Chaque fois il est mort logiquement, hein. On a vu une seule erreur de sa part, hein, au spawn quand il a joué le mec B là. Je vous le dis, hein, pour progresser faut regarder ça, hein. C'est POV tous les jours, hein. Je vous le dis, quand j'étais pro frère, je me mangeais des démos et je me mangeais genre 2 POV par jour comme ça, minimum c'était 2 POV par jour. Bon, j'allais plus vite que ça, là je vous donne des explications et tout, mais j'allais plus vite que ça, je les regardais en x1,25, en x1,5 et tout, je revenais sur des runes que je voulais vraiment voir, là j'explique ce que je vois, et j'ai pas à l'expliquer en fait, quand je le sais, moi je le sais, je le vois tout de suite et j'arrive à comprendre. Là ça vous paraît long, mais en réalité c'est beaucoup plus rapide que ça. Il se fait dézoner, il recule. Mais regardez, il recule toujours en slow pour pas donner l'information qu'il est là. Et il lâche pas totalement la zone, il est confiant dans son positionnement. Il a renfermé quand même pas mal, une grande partie de la map très importante, ce qui permet de, en défense, de dire, allez les gars, allez à 4 en B, quoi, en gros, ou en 3-1-1. Et là, ils sont en 3-1-1 en tout cas. Et il va repush. Il va repush la zone. Et toujours, hein, regardez, toujours, il a pas la ligne ouverte sur les flammes. Pour surprendre. Il a toujours son intention de contre-temps de duel, de contre-temps de duel, de contre-temps de duel, à chaque fois. Regardez, boum. Et maintenant, il reprend une ligne plus fermée, où il se remet à droite dans les flammes, en ligne cassée. Et à partir d'un moment, il va devoir y aller. Maintenant, parce que regardez, il y a beaucoup de mollo, beaucoup de stuff. Là, il y a eu du contact au niveau de la cave avec le stuff. Il y a eu du contact au niveau maintenant du spawn CT de la Red Room. Donc, il a les infos et boum, il push. Regardez, il va quand même en slow, hein, pas au couteau. Il vide au cas où il y a un mec. 2v5, là maintenant il va y aller. Hein. 1v5, merci, au revoir. Moins 1. Voilà, ligne de shot, ça défouraille. Il reste 6 balles. Il peut enchaîner un troisième kill. Il n'y a que Nico déjà qui a 20 balles dans une M4 qui peut faire des 3K, frère. Ça, c'est une dinguerie. Plein milieu, il s'en bat les couilles, il sait qu'il est ligné de shot. Là, vous avez l'impression que vous êtes exposé de tout, mais ici, c'est un peu des lignes de shot pour tout. Et quand on a un IM comme lui, sachez que moi, si je fais ça, je suis mort. Moi, je suis mort. Je ferai jamais ça. Les mecs qui peuvent faire ça, c'est des mecs qui ont des IM de fou. C'est Beat, Rops, Twist, Rain, Sphinx, Nico. C'est que ces mecs-là, hein, je vous le dis. Hein. Même vous, dans votre ADN, aussi, il faut comprendre que regarder des joueurs jouer qui n'ont pas forcément votre ADN, vos rôles, vos caractères, c'est pas forcément bien parce que vous dites, je vais faire la même chose. En réalité, c'est pas que vous n'avez pas l'avantage ici. C'est que vous êtes en plein milieu de tout, oui, mais c'est des lignes de shot. Et les lignes de shot, soit vous avez un bon tracking, du sang-froid, des bons contre-straf et vous n'allez pas paniquer même si vous avez un HP, comme lui, c'est le cas. Et vous pouvez prendre ce genre de décision d'être là. Sinon, il ne faut pas se mettre là. Hein. Je vous le dis. Moi, c'est hors de question que je me mette là. Moi, je vais me foutre là derrière le wood. Et je vais contre-temps les duels au niveau de la Red Room. Je vais décaler sur la gauche. Je vais me recacher. Je vais décaler sur la gauche et je vais me recacher. Moi, je vais les jouer comme ça, les duels. Par exemple, faut être fort. Ouais, faut être bon dans ce domaine-là. Genre, je ne vous cache pas que même un Ziwu. Voilà, là, j'ai vu Ziwu, il peut être là, par exemple. Tu vois, Michel, tu as dit Ziwu, point d'interrogation. Je pense pas que Ziwu peut être là, honnêtement. Un mec comme Donk, il peut.
Ziwu, pas trop. Monesi, il peut pas. Apex, il pourra pas. Apex, il est là, vous savez très bien comment ça part. Apex, il est là, c'est rafale. Dans les murs, maçonnerie, colmatage, enduit, peinture, on refait tout. On refait l'architecture. Si Carrigan, c'est la même. Tous les mecs qui ont de la... Ça va chier dans tous les... toutes les briques de la map. Donc c'est pour ça, c'est pas genre, faut être fort. C'est faut avoir... Il y a des joueurs que toi, tu penses peut-être pas fort, que moi, je sais qu'ici, ils t'arracheront ta mère, genre. Des mecs que t'as un peu oubliés. Des Brolan, des Rez, le Suédois. Des mecs qui ont des trackings de malade. Le Xantares, là, ici, t'arrache aussi. Wicadia, le Turc, il t'arrache. Voilà. Broky, je pense qu'il se fait rouler dessus quand s'il est là, par exemple. Alors que c'est un monstre. C'est vraiment une question d'ADN. Bon, ligne headshot, là, il recule. Regarde. Et il panique pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il lui reste 6 balles. Il a un HP, il est en plein milieu, et je le sais pas les gars, on est d'accord que c'est la première fois qu'on la regarde cette pauvre. Mais je connais Nico en fait, et je connais Nico et je connais tous les joueurs qui vont avoir ce caractère là. Je vous jure que vous les mettez 10 fois dans cette situation, les 10 fois ils vont pas stresser, les 10 fois ils vont pas paniquer. Alors que moi personnellement, et d'autres joueurs qui ont pas cet ADN, je vous le dis, on va se chier dessus direct. Là, il y a un mec qui sort. On va être en crise d'épilepsie. On va spray dans tous les sens. Les 6 balles, elles vont partir dans un arbre. Et ciao. Alors que eux, regarde. Ah, au revoir, monsieur. Voilà, il a reload tranquillou. Et maintenant, il va essayer de save. Bon, il y a un mec dans son dos quand même. Il s'en rend pas compte, mais il y a un mec dans son dos qui l'a renfermé. Et le 8 essaye de le renfermer aussi. Théma, même la crosshair placement, lui il se chie dessus alors que Nico il a un HP, Théma. Je suis choqué, et là il y a un mec dans son dos, il le tue. Le mec spawn, il se chie dessus de Nico, c'est une dinguerie. Rez, il faudrait revenir sur sa carrière un jour. Ouais, bah je pense que c'est la scène suédoise un peu, de toute façon, qui s'est effondrée, hein. C'est pas forcément que lui. Hein. Mais ouais, Rez, tu le mets dans cette situation, il t'arrache tout le monde. Hein. JKS aussi, Twist, y a plein de gens qui ont des IM comme ça, vraiment très 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 solides. Là, mollo pilier, comment on fait? On bloque encore une fois le mid. Là, on essaie de. Oh là là, on essaie de se run boost, ça passe pas. Ouais, bon, allez, merci, au revoir. Oh là là, le 2 balles qui lui met. Et un HP, on essaie de se reculer tranquille pour se mettre à l'abri. Mais on panique pas. Maintenant, on est en sécurité, on va vite aller en A. Je crois qu'il vient d'entendre le reload en A là. Ah non, il n'entend pas. Oh, il va se faire timer, mais ça a créé une fouille. Ah, dommage. J'aurais bien aimé avoir le round parce que ça avait créé une fouille, il y avait un mec qui était caché derrière la caisse. Donc là, smoke rapide Red Room. Alors comment il joue en 3. Ouais, Joko. Voilà, par exemple, le Joe. Voilà, bien dit. Joko chez 3D Max, dans cette situation, pareil, il arrache tout le monde. Joko, il a un IM, c'est du délire. Ce mec-là devrait être dans le T1. Quand tu vois son IM, tu sais qu'il a le potentiel pour être dans le T1. Genre très, très facilement. Jax, c'est pour ça que Jax est très aimé aussi. Enfin, très aimé pour son niveau. Il est spectaculaire. Mais Joko, il fait partie de ces élites là en fait, des joueurs qui peuvent vraiment arracher des têtes dans des situations que tu dis mais il y a que eux qui peuvent faire ça. Et je parle même pas de Scrim, bien entendu. Ce Scrim, lui c'est un boulanger qui fait du pain, hein, pour lui ça. C'est la routine. Hein. Donc là il contrôle la longue tranquille, il prend sa banane. Il laisse toujours les autres faire le taf, prendre des espaces, etc. Et lui, il est garant de l'autre côté. C'est une extrémité. Voilà. Les gens vont dire que c'est un lurker. Non, lurker est une fonction. Lurker, ça veut dire flank. C'est couper les rotations, lurker. Lui, il ne coupe pas forcément les rotations, Nico. Pas tout le temps. Là, parce qu'il redirige le jeu sur lui. Voilà, il sait qu'il y a des mecs caves. Là, il prend l'espace. Et là, il essaie. Hop. Il va lui péter la gueule. Et le but c'est d'aller encore bloquer le spawn. Voilà. Et encore. Merci, au revoir. T'es mal tracking. Le mec est trop fort. Et toujours très serein, très calme. Ah, toujours pareil, hein, il garde les côtés. Boum, crosshair placement. Ah, Nico, quand tu le vois jouer, il a un crosshair placement de malade. Là, il recrosse, là, il se dit, bon, je vais mettre une mollo parce que j'ai peur.
J'évite quand même la gauche, j'évite quand même la droite. On décale au fond. Ah vraiment, c'est tellement beau. Quand tu regardes Nico jouer en POV, c'est une dinguerie. Hein. Je suis désolé, mais Nico, regarde comment il est pas naïf. Tout le monde fait le taf là. Sur ce round, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a ses potes qui sont en train de se taper en B. Banane, long, spawn et tout. Lui, il s'en bat les couilles. Son rôle, sa fonction, c'est de vider la cave. Tous les millimètres carrés de la cave, il les a vidés. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de contact, il ne s'est rien passé. Mais il laisse rien au hasard en fait. C'est sa routine et il va continuer de la faire en fait. Là, en mollo, pour mettre de la présence. Ah, il a voulu. Ah. Donc là, en mollo, pour mettre de la présence banane. Et il sait qu'il est en infériorité numérique. Comme vous pouvez voir, ils sont 4-1. Nico est 1. Eux, ils sont 4. Et donc, vu qu'il est seul, il veut assurer il veut garantir en fait la sécurité de cette zone. Que personne ne le push, etc. Donc, il met de la présence avec sa mollo. Il était smoke en main au cas où il se faisait mollo. La mollo est arrivée en retard, donc il a eu le temps de cross. Il va donner dans le mid. Et il joue pas le duel. Vous voyez ? Et il joue plus le duel. Le mec est passé. Donc il rate entre guillemets un peu son duel. Il lui reste 35 HP. Il focalise, il monopolise l'attention maintenant du CT. Ce qui fait que ça crée des timings pour ses deux coéquipiers qui vont pouvoir aller refrag. Pas forcément refrag, mais jouer le duel en même temps que lui. Et encore qu'il le rejoue. Voilà. Il a fait son taf. Il a soutenu le mid. Et maintenant il retourne à sa fonction principale, c'est-à-dire garder le cul. Voilà. Il met sa présence. Il utilise beaucoup de stuff, il lui reste 10 balles, il s'en bat les couilles. Viens me jouer, je vais t'arracher ta tête. Et t'es mal les peureux là. Regardez les CT. Rotation latérale, pas de rotation verticale. Vous, quand vous jouez sur ancien, en général, vous vous prenez des rotations verticales. Des push, en fait. Les mecs qui vous pushent les zones. C'est-à-dire, ça passe middle, ça passe en A. T'es forcément, t'as des mecs qui vont pusher banane, qui vont pusher cave. Mais tellement Nico, là, il a mis de la présence. Tellement aussi, je pense que t'as un peu peur. T'as un peu peur aussi, tu vois. Tu sais que c'est Nico le lurker, frérot, ou Rops, t'as un peu peur, ou Magisk, tu dis, aïe, 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 si je décale, si je monte ma tête, il y a moyen, je me fais ouvrir le crâne en deux, j'ai pas trop envie, donc tu fais des rotations latérales, ce qui fait que c'est des rotations prévisibles, ce qui fait que eux, regardez, les quatre maintenant, ils s'en battent les couilles de la map, ils sont juste à focaliser le spawn, le temple, peut-être un petit peu le donut dans quelques temps, mais bon, Nico, il va arriver dans le cul. Il va faire son taf. Il vide. Est-ce qu'il veut flanquer ? Là, maintenant, c'est un flank. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est flanquer. C'est aller dans le dos pour faire des kills de dos. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est pas baité, en fait. Dans un premier temps, il supporte le mid. Il apporte du surnombre. Il apporte de l'activité. Après, il garde le cul, c'est sa fonction. Donc ça, c'est couper les rotas, assurer, garantir la sécurité du groupe d'attaque, qu'il n'y a personne dans leur dos. C'est important d'avoir un extrémité qui sache faire ça. Et ensuite, là c'est la grignotance. Là, c'est la gourmandise. Là, c'est la sucrerie. Là, tu peux aller dans le dos, prendre des kills trop faciles. Il ne va pas se gêner. Donc là, il a une info maintenant que Donut, ça peut être entre guillemets compromis. On est 3v4. Eux, ils sont 3v3 en réalité. On est 4v3, mais eux, ils sont 3v4. Il fait confiance à son groupe d'attaque. Et voilà, maintenant, le coupeur. Ça s'appelle couper les rotations. Alors, et là, tu pleures. Là, quand t'es Icarus, tu pleures. Tu insultes sa grand-mère. Tu dis, sale fils de pute, de baiter de merde. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu sers? Etc. Sauf que bon, on voit bien que dans sa POV à lui, c'est du génie. C'est pas du génie, mais c'est le rôle, c'est sa fonction. C'est comme dire à un arrière-droit ou à un milieu défensif ou à un attaquant ou à un gardien, c'est ta fonction, c'est à ça que tu sers. Et là, il a tout donné en fait. Là, il a dans ce round-là, c'est une masterclass parce qu'on voit toutes les fonctionnalités d'une extrémité. C'est garantir que dans le bac, il n'y a rien, apporter un peu de surnombre, monopoliser un petit peu l'attention, créer de la terreur, créer de la paranoïa parce que là, en plus, il les a lurkés. Donc, ça veut dire que maintenant, ils vont être terrifiés les CT à l'idée que ça peut lurker cave, ça peut lurker là-bas, tu crées de la paranoïa. Sachez que ces rôles-là ont été innovés, ont été, parce que je préfère quand même rendre à César ce qui appartient à César, ont été révolutionnés par deux joueurs. Dans un premier temps, allez c'est un petit quiz, qui est le joueur qui, dans le premier qui a révolutionné ce rôle-là? Je vais en citer trois. Je vais vous donner deux nationalités et une autre. Il y a deux Suédois et un Français. McNeil, merci pour le sub. Ouais, tout le monde dit Happy. Ok, j'ai Happy. Oui, vous avez reconnu le Français, c'est Happy.
Après, il y a Shox également, à moindre mesure, qui était dans ce rôle-là, qui a fait également son taf, mais différent. Get Right, bien joué. Il y a Get Right également. Le premier, c'est Get Right. Leur cœur exceptionnel dans ses rôles, frérot, c'était une terreur, c'était une dinguerie de ouf. Get Right, Flusha, je pense que vous n'avez pas signé Flusha. Non, Forest est dans le trio d'attaque aux Panthères. Allez, bouge-moi de là. Flusha, c'est Get Right côté Nip, Flusha côté côté Fnatic et Happy côté Envious. C'était les grosses décennies, les grosses dynasties, pardon. Dans la décennie précédente de gros joueurs de CS, c'était ces rôles-là. Aujourd'hui, Nico, il a apporté encore plus, encore plus. Parce qu'en fait, le niveau qu'il a Nico, l'IM qu'il a Nico, c'est 10 fois au-dessus de Get Right, c'est 10 fois... En fait, c'est pour ça que ces mecs-là sont meilleurs. C'est des versions hybrides de ces mecs-là. C'est, tu vois, l'élève a dépassé le maître, ben on en est là, en fait. C'est parce que Happy, il n'avait pas d'IM. Get Right, il n'avait pas d'IM. Ne racontez pas vos salades, c'était des casseurs de murs. D'ailleurs, je crois que le surnom de M-Stad, c'était son premier pseudo, Happy, c'était le casseur de murs. Alors, nous, on l'appelait le casseur de murs. C'était des sprayers fous. Get Right, c'était un spray magistral. C'était pas des IMR en fait, c'était pas des mecs qui avaient du tracking, du sang-froid, des mecs qui faisaient du tapping, des petites rafales dans la tête et ce genre de choses. En termes de firepower, il y a 10 mondes d'écart entre Get Right, Happy et par exemple Nico. Pour ce... Snax, bien évidemment, bien joué. Snax aussi, très fort dans ce rôle-là. Et donc là maintenant, il coupe la rota, il met encore une fois de la présence, il a 30 HP. Et il va jouer encore une fois pour faire croire qu'il est parti. Et ouais, mais bien sûr. Bah oui. Il reload, il s'en bat les couilles, il ferme sa gueule. Oh, allez, c'est un poison. Oh, le poison. Oh, je l'ai dit. Je le savais que ce round c'était une masterclass. Mais à ce point-là, c'est une dinguerie. À ce point-là, c'est une dinguerie. Donc là, il fait sa petite pupute. Il fait son kill de leur cœur. Je vous rappelle que tout le début du round, c'était incroyable ce qu'il a fait. Et là, en plus, il fait son petit kill de pupute. Voilà. Et là maintenant regardez, n'oubliez pas quand même qu'il a 35 HP. Il veut pas grid, tu vois, là il a fait assez là. Là il a fait 2 kills, il est important. Peut-être il a lead aussi le round en disant allez en A, faites ci, faites ci, faites ça. Mais en plus là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée là tactiquement, il crée quelque chose. Il met sa smoke pour faire croire qu'il se barre. En mode il est low HP et tout. Genre en mode tu sais dans la com en face, c'est-à-dire mais fumez-le, il a 30 HP. Et là, il y va quand même. Donc là, maintenant, c'est la différence entre Happy, Get Right et tous les mecs qui n'ont pas de pouce. Des Apex, Karrigan, tous les mecs qui n'ont pas de pouce, moi y compris. Là, maintenant, c'est Nico. Et balle de la dinguerie. Il lui reste une seule balle. Il en a rien à foutre. Il continue son duel. Il voit... Et regardez, hein, c'était quand même proche, hein. Là, maintenant, il sait qu'il est dans la sauce. Il va fermer sa ligne. Donc, il va avancer. Ce qui va... Sur la POV, en fait, du CT, c'est au CT d'ouvrir sa ligne, maintenant. D'aller le chercher. Donc, il se met en sécurité, en fait. En poussant sur le pilier, il ferme la ligne. S'il restait loin de la ligne, le mec aurait juste décalé à l'USP, il l'aurait tué. Et donc là, il ferme sa ligne. Ce qui force le CT à aller le chercher. Donc, il a eu le temps de reload. Et il le tue. Et voilà. Allez, je m'arrête ici sur l'analyse, les gars. Le savoir et les compétences, ça ne se transmet pas aussi facilement. Voilà. Mon temps, c'est de l'argent. Et j'attendrai que vous offriez énormément de subs pour vous redonner des petites masterclass comme ça. Voilà. Mais là, je pense que vous en avez eu pour votre argent. Ça suffit amplement. Merci beaucoup, Staphilo, pour le sub. On pourra faire d'autres rôles si vous voulez sur les trios, sur la WAP, sur des entries, sur Apex aussi, ce qui est dans son rôle de support, de leader in-game qui est différent. Plein de trucs comme ça, on pourra en faire tous les jours des trucs comme ça. Mais vous savez que nous sommes cupides, nous sommes très cupides.